rencontre d'instrumentistes spécialisés qui, en général, travaillent sur instruments d'époque et qui ont décidé avec moi de s'aventurer autour de tout ce répertoire de la chanson française, un patrimoine populaire, bien souvent oublié et qui pourtant existe depuis des siècles et en général accompagne tout le répertoire musical et aussi toute la littérature des différents siècles. Voilà, donc c'est vraiment pour nous cette occasion de redécouvrir à la fois une littérature et une musique oubliée et souvent proche de toutes les strates de la population française. J'ai décidé de profiter de toute cette rencontre avec les publics pour finalement replacer l'histoire de la chanson française au cœur même de ce qu'elle a pu avoir comme importance. C'est-à-dire qu'à la fois c'est une musique, mais ce fut essentiellement un média. Donc on arrive un petit peu avant la période de Berlioz, on commence par la Révolution française, et après on profile comme ça nos différentes interventions en allant sur, je dirais, les éléments phares de ce qui a pu constituer l'histoire musicale du 19e siècle et artistique en général, à savoir la Révolution française, l'époque de l'empereur, 1830, Révolution, 1848, et on termine par 1870-71. Et à travers tout cela, on illustre aussi, je dirais, la légende napoléonienne, ce qui est au cœur même du festival Berlioz cette saison, puisque c'est cette rencontre entre deux grands hommes essentiels du 19e français, à savoir Napoléon et Berlioz. Écoutions une cloche indécise et qu'au lointain du ciel les vallons de la Meuse. Nous sommes dans le populaire, mais tout au long du 19e siècle, je dirais qu'il n'y a pas cette séparation entre le populaire et le savant. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est aussi ce qu'il faut redécouvrir chez Berlioz. C'est que Berlioz, donc autodidacte, créateur de grandes symphonies, créateur, je dirais, de grandes œuvres monumentales, a aussi commencé son histoire, sa culture, son apprentissage par des petites mélodies, par des romances, en jouant de la guitare, en jouant du flageolet, en étant aussi inspiré par tout le patrimoine populaire de la musique française. Il n'y a pas d'arrêt, il est au courant de ce qui a pu se faire au XVIIIe siècle. Et sans doute que cela, ça a dû aussi l'inspirer dans le répertoire après qu'il a pu créer lui-même. Toutes ces prestations durant le festival, puisque nous avons le plaisir d'être là pendant 10 jours, s'axent essentiellement sur l'œuvre du chansonnier absolu du 19e siècle, c'est Béranger, Pierre-Jean de Béranger, qui sera cité tout au long du 19e siècle, qui sera cité par Berlioz, qui sera cité par Napoléon, Victor Hugo, Balzac, etc. Bref, il a même été mis en musique par Wagner, par Schumann. En tout cas, il est essentiel. Sur ces 9 concerts, donc on aura à peu près, je crois, entre 15 et 20 musiciens différents selon,
selon nos interprétations, qui iront du piano forte jusqu'au piano romantique, en passant par l'orgue de Barbarie, la vielle, le violon, le basson, le flageolet, la guitare, et puis des chanteurs peut-être pour certains issus, je dirais plus du baroque, et puis d'autres qui font vraiment le grand répertoire, comme Isabelle Druet, qui a l'habitude de faire de l'opéra, et qui s'est pris aussi au plaisir de faire la chanson. Ce qui nous prouve finalement que tout est possible dans la chanson. On peut aller du simple chanteur populaire jusqu'à la diva du grand lyrique. Vers la mer Malague, à le saut et tout le paquet, vers la mer Malague, et le petit Malague. Vers la mer Malague, à le saut.